Buonasera, benvenuti al Maxi. Questa sera presentiamo due pubblicazioni recenti di Eric Sadin, pubblicate e quindi facciamo la presentazione in collaborazione con la Louis University Press e Villa Medici Accademia di Francia. E abbiamo in conversazione Eric Sadin con Juan Roux. Ringraziamo, adesso io lascerò la parola per un breve saluto a Daniele Rosa, il direttore editoriale della Louis University Press, e poi inizierà la conversazione tra il pensatore, filosofo Eric Sadin e il curatore, il nostro direttore artistico Juan Roux. La presentazione per noi nasce dalla volontà di approfondire i temi della mostra che ospitiamo attualmente in Galleria 5 di Caufei Supernova e abbiamo trovato, quindi qual è il motivo che ci ha spinto a fare questa presentazione, è sicuramente un'unione di pensiero, un'unione di idee, una similitudine di visione tra l'artista, tra la nostra linea curatoriale e il lavoro di Eric Sadin. La mostra di Caufei, Supernova, che sarà fino al 29 maggio aperta in Galleria 5, affronta attraverso opere filmiche dell'artista il concetto dello sviluppo forse innato in cui la società contemporanea dà attenzione, partendo dall'analisi del contesto della Cina contemporanea, ma per arrivare a dei concetti assolutamente universali, concetti che analizzano la relazione tra umanesimo e digitalizzazione del mondo, quindi tra uomo e tecnologia, e ne esaminano non per forza gli aspetti negativi, c'è anche una parvenza di positività all'interno di alcune metodologie di utilizzo della tecnologia, se questa è fatta con un pensiero attento e con un pensiero critico. La mostra quindi parte da un'analisi della società contemporanea, della brama di sviluppo, per analizzare e tenere sempre però al centro della sua osservazione gli uomini e le relazioni umane, le relazioni interpersonali e gli effetti che questa tecnologia e chi a suo modo sostiene questa tecnologia sempre più raffinata, mantenere insomma appunto come studio principale la reazione o l'influenza che questo può avere sulle persone, sugli individui. Ovviamente la tecnologia ha un'influenza sempre più importante nella contemporaneità, perché c'è quasi una incapacità di distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale. La mostra mette in relazione realtà e virtualità in una maniera molto esplicita, non lo nasconde, ma comunque sottolinea quelle che possono essere le connessioni, le paure della realtà che si trasferiscono nella virtualità e quanto il nascondersi nell'epoca, nell'area digitale, nell'area virtuale può essere un modo di fuggire da questa realtà e da questa nostra da questo nostro mondo contemporaneo. Insomma, io lascerei la parola ai due autori, quindi Eric Sadin e Juan Roux. Chiederei a Daniele Rosa di venire a fare insomma una piccola introduzione e vi auguro un buon ascolto. Scusate, spero che si sia sentito, era divertente quello che ho detto finora. Ora inizia la parte noiosa, mi spiace, ma ci voleva. La persona che mi ha insegnato a fare editoria mi diceva la regola più importante: non devi mai essere tu, non deve essere mai l'editore o il direttore editoriale a parlare dei suoi libri. Io oggi tradisco questa regola e mi sembra il caso di farlo, visto che il libro si chiama Io tiranno e in qualche modo parla di come
qualcosa abbia scatenato il nostro ego, rendendolo spropositato. Questo qualcosa è la tecnologia. Il libro è di Eric Sadin. Chi non lo conoscesse ancora, Eric è uno scrittore e filosofo, due parole che quando sono in redazione, qui ci sono nel pubblico alcuni collaboratori, uso normalmente come dispregiativi, invece in questo caso sono, lo dico con ammirazione. È un filosofo nel senso che è una persona che studia, riflette, è capace più delle persone normali, delle persone ordinarie, di leggere quello che ci sta succedendo, ed è uno scrittore nel senso che scrive molto bene. Allora, io in questi giorni, a proposito di scrittori, sto leggendo un libro di una storica tedesca, si chiama Andrea Wolf. Il libro racconta di come, si chiama Magnificent Rebels, deve ancora uscire in italiano e spero che lo pubblicheremo noi per la cronaca. Il libro racconta di come negli anni successivi alla rivoluzione francese in Germania alcune persone che avevano alcuni idealisti che avevano si erano innamorati degli ideali della rivoluzione si trovarono riuniti a pensare facciamola pure in Germania. Tra questi c'erano nomi noti, c'era Fichte, Schiller, Novalis, e avevano letto Kant, si erano innamorati di Kant e avevano creduto di capire che dentro di noi c'è qualcosa, c'è un sé, un ego, quello che gli inglesi chiamano self. Da noi non è semplice tradurlo, ci penseremo noi nell'edizione italiana. E a questo qualcosa, sostanzialmente, dice l'autrice, e dicevano anche loro, dobbiamo il nostro grande sviluppo, la nostra grande crescita. Beh, fino a un certo punto. Allora, Eric Sadin, che io leggo da tempo, lo leggo da quando lo pubblicavo un altro editore, becca di questa, ma adesso è diventato un nostro autore, da un paio di libri a questa parte, mi è sempre inquietato leggerlo, in parte, perché credo, non ce lo siamo mai detto, ma io credo che lui sia un pessimista per quanto riguarda la tecnologia. Io credo che non è così, non è bianco o nero, non è tutto così semplice come invece a volte arriva sul web, ma credo che se gli chiedessi, scegli bianco o nero, qual è l'alternativa, la tecnologia è bene o male, credo che ci direbbe che è un male, sostanzialmente. Andando a vedere un po' più a fondo, mi sembra che la tecnologia, come Eric la interpreta nei suoi libri, la interpreta come, l'ha letta in vari modi nel corso degli anni, l'ha letta come lo strumento di potere di qualcuno, sostanzialmente qualcuno l'ha utilizzato come uno strumento di potere, l'ha raccontata come un qualcosa di quasi divino a cui che noi guardiamo e pensiamo di poter delegare a questo qualcosa che noi non sappiamo fare, sbagliando secondo lui, e adesso nel suo ultimo lavoro lo vede come l'elemento decisivo che sostanzialmente ci ha messo tutti l'uno contro l'altro. Lui vive in un paese, la Francia, dove abbiamo visto accadere in questi anni un'insurrezione sostanzialmente, no? E in qualche modo venuta anche da noi. E, beh, credo, non so se è di questo che parlerà con il direttore Arruch, che ringrazio per, ancora una volta per l'invito, sono molto curioso di sentire di cosa parlerete, ma sarò molto curioso di ascoltare Eric e casomai di chiedergli esattamente di chiarirci questo collegamento, cos'è la tecnologia, ci ha reso pazzi o qualcosa. Comunque, molta gente ogni tanto mi chiede, nel corso del mio lavoro mi chiedono tanti, in che consiste il vostro lavoro, che fate voi che siete una casa editrice, in particolar modo una casa editrice universitaria, che cosa fa una casa editrice? Beh, allora, secondo me sostanzialmente fa intrattenimento, fa entertainment, quale, in un senso forse nobile del termine, cioè i libri si comprano e si leggono per una forma di piacere, cioè che può essere la conoscenza, può essere aggiornarsi, può essere approfondire, può essere semplicemente passare del tempo con competitor temibili, i social network, Netflix e così via, ma non faccio un discorso moralistico, questo lo farà Eric. E credo che è una casa editrice universitaria che fa di diverso. Io rispondo, facciamo entertainment per persone di un certo livello. E devo dire che una delle qualità di Eric e dei suoi libri è che è molto divertente ed è molto piacevole sentirlo, e quindi vi lascio a lui e al direttore Anru. Grazie molte.
Buonasera. Prima grazie a Eric di aver accettato l'invito per questa piccola talk, ma penso che sarà molto importante per noi di approfondire la nostra comprensione della mostra di Chao Fei. Comunque è più importante anche per capire come funziona la tecnologia oggi nella società e anche per il futuro della creazione artistica e del museo. Bon, je vais changer en français. Très bien. Bonsoir. Eric, bienvenue. Merci pour votre invitation. C'est un honneur pour nous d'avoir votre acceptation d'être là parmi nous et surtout parler des choses importantes. Et bien sûr, j'ai amené seulement 3 livres de votre. Je ne sais pas combien de livres vous avez publiés, mais au moins ces 3 derniers livres me semblent extrêmement importants. Merci. Et avant de parler des livres, j'aimerais bien avoir un petit peu de votre impression sur l'exposition que vous avez vue. Bien sûr, c'est un peu trop rapide. On fait un peu à la sauce aux médias, c'est-à-dire d'une manière presque comme Twitter. Sur vos impressions, si vous devez tweeter sur une exposition comme Chao Fei, comme celle que vous venez de voir. C'est ce que vous me proposez là, voilà, de tweeter. Ah, ben je ne vais pas tweeter. On a le temps, on est entre nous. Ben juste une petite impression. Oui, 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 mais on peut d'autant la faire que vous nous avez présenté l'exposition, précisément. Et ce qui est intéressant, c'est les dimensions, je dirais 3 dimensions, qui peuvent aussi regarder d'une certaine façon le travail que je fais depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire de prendre comme champ d'observation privilégié les technologies contemporaines, des technologies numériques et plus largement des mutations contemporaines, ce qu'on voit ce qu'on voit dans le travail de Cao Fei, notamment celle qui regarde la Chine, des mutations qui sont allées très vite depuis la fin des années 90, comme les mutations dues à l'industrie du numérique sont allées très vite depuis une vingtaine d'années. Donc un champ privilégié d'observation. C'est intéressant que les artistes observent cela, et de ne pas être seulement dans des logiques d'intimité ou d'autre chose, mais en tout cas qu'il y ait une attention d'observer cela de près. Et ça, ce serait la première dimension, donc une sorte de volonté d'être dans une attention contemporaine, hein, une attention de ce qui se passe, principalement au prisme des technologies, et une deuxième dimension, et c'est pour ça que ça m'intéresse, on en a parlé, qui fait des liens avec ce que j'ai pu développer depuis un certain nombre d'années, c'est une dimension critique. On voit bien que dans le travail de Cao Fei, qui est présenté dans le cadre de l'exposition, il y a de l'intérêt, et il y a aussi quelque chose comme de la distance, de l'inquiétude, de la critique. Daniele parlait de pessimisme. Moi, c'était une catégorie que je n'utiliserais pas. Je parlerai plutôt ni d'optimisme ni de pessimisme, mais plutôt d'analyse critique. Et d'analyse critique dans le sens où des phénomènes très importants, structurants, on en parlera probablement de certains, structurent de plus en plus nos sociétés et il faut aller le voir. Il faut aller le voir, il faut aller l'observer, il faut l'analyser. Et j'ai presque envie de dire sans a priori moraux, mais sans se retenir sur tout ce qui est analysé, quoi, tout ce qui est à analyser, hein, sur l'ampleur des phénomènes, l'ampleur des mutations, l'ampleur aussi de la puissance industrielle, du monde économique qui opère des transformations sur les sociétés, à mon sens, comme j'avais,
Pourquoi je dis comme jamais? Parce que c'est tant individuellement que collectivement, ou tant collectivement qu'individuellement. Quand je dis individuellement, on peut voir jusqu'à notre vie la plus intime, la plus domestique, hein, comme les technologies numériques collent à nous de plus en plus. Hein. Donc ça, il faut aller le voir. C'est, bon. Daniel, je l'ai pas mal pris hein, que vous disiez ça, mais je reviens sur cette affaire de pessimisme. Je pense que c'est plutôt une question de... Enfin, pour ma part, d'observer sans concession et de très très près les phénomènes qui sont en cours, les leviers de ces transformations, les leviers, surtout l'industrie, hein, les transformations contemporaines technologiques, leur origine, elles sont industrielles, elles sont économiques. Elles ne sont pas des bonnes intentions sociales, elles sortent pas de centres de recherche humanistes, elles sortent, mais c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Elles émanent du monde économique, du monde industriel, qui entend faire des profits et qui entend imposer sa puissance. Ça, c'est ni pessimiste ni optimiste. Pourquoi je parlais de ça? Parce que Cao Fei, il y a, pour revenir à l'exposition, Hanro, il y a une dimension critique, d'inquiétude, de distance, d'interrogation, d'exploration, dans le sens où ça ne va pas de soi. Il faut aller voir, il faut aller observer. Et puis, il y a une autre dimension qui est là et terminerai, mais on n'empêche, bon, l'exposition est dans le musée, puis on parle aussi de cela, une dimension qui appartient au champ de l'art, de la littérature, et c'est une dimension fictionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des travaux artistiques qui s'arrêtent au projet de documentation, hein, y en a plein, qui veulent juste documenter des phénomènes, jusqu'à créer des effets de conscience, des effets d'éclairage avec des dimensions formelles plus ou moins élaborées. Hein. Parfois, il y a juste des catalogues qui sont exposés. Il y a plein de modalités de présenter un travail de recherche, de documentation sur des phénomènes contemporains. Là, il y a une autre dimension qui est convoquée, qui est mobilisée, avec laquelle elle joue. C'est une dimension fictionnelle, onirique. Je dirais pas fantastique, mais on pourrait ne pas être très loin si on voyait peut-être d'autres travaux et qui voudrait, je sais pas, alors après moi je connais pas bien son travail, qui voudrait peut-être à la fois être un peu projective, un peu prospectiviste, je ne sais pas, et à la fois se donner les moyens de jouer avec ça, d'être dans la fiction, dans la composition, de pas subir les phénomènes, voir comment elle peut composer d'un point de vue singulier avec ce qui nous arrive, avec les outils, avec les technologies, avec notre monde. Et peut-être que là, c'est une tâche, un devoir, un geste qui finalement nous regarde tous. Qui nous regarde tous? Parce que je pense que nos capacités à jouer avec les technologies contemporaines qui environnent nos existences, quand c'est dans le champ du travail, j'en parle pas. Alors là, on ne peut pas jouer avec ces systèmes. Malheureusement, ça me fait rire, mais ce n'est pas drôle. Hein. Parce que là, moi, je veux bien être pessimiste, Daniel et Rosa. Mais, Daniel, je veux bien. Mais si vous voulez être plus pessimiste que moi, vous allez dans les entrepôts Amazon. C'est-à-dire, pardon, Hanro, juste pour terminer sur ça, parce que je dis jouer avec ça, avec ces technologies qui nous environnent. Oui, si c'est chez moi, à la maison, et encore, c'est très compliqué. Mais quand c'est dans le champ du travail, par exemple, là on ne joue pas. Là, on ne joue pas. Là, c'est des phénomènes d'organisation hyper-rationnelle de la société. J'ai analysé ça dans mes différents ouvrages, notamment l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, la siliconisation du monde, enfin des ouvrages, notamment dans le champ du travail, comment les technologies numériques ont redéfini complètement le champ du travail, dans le sens d'une hyper-rationalisation, dans le sens d'une évaluation de plus en plus continuée en temps réel des performances, et dans un autre sens, puisque je parlais des entrepôts Amazon, de nouveaux modes managériaux qui sont quasiment inhumains. On peut utiliser des adjectifs un peu forts, mais moi, j'y pense depuis de longues années, et puis je suis toujours surpris de voir que ça ne mobilise pas notre attention, de voir dans des modes managériaux où des personnes reçoivent des signaux programmés par des systèmes, des personnes,
qui enjoignent les individus, les manufacturiers, par exemple pour Amazon, mais il y a d'autres métiers, hein, enfin, d'autres entrepôts dans ce monde de la logistique qui vient, qui cesse de s'étendre, notamment dans le monde Covid et post-Covid, le monde de la logistique, où des millions de personnes dans le monde reçoivent par exemple des signaux audio et doivent, par des systèmes d'intelligence artificielle, se rendre à tel endroit chercher tel produit pour le mettre dans tel endroit à des vitesses infernales selon des critères dont on ne sait rien, hein, ce sont des algorithmes. Et là, quand je dis que Kaofei, elle joue avec les technologies parce qu'elle est dans le champ de l'art et elle est capable, elle se donne les moyens de créer de la fiction, de créer du jeu, de créer de l'imaginaire, de créer des contes imaginaires peut-être. Là, on ne peut pas jouer, on peut pas créer des contes imaginaires. Hein. Alors là, non. Et là, je ne suis pas pessimiste, Daniele, je suis objectif. Excuse-moi, je l'ai mal pris, hein, cette affaire de pessimisme. Non, non, c'est pas, non, 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 je plaisante. Je vous laisserai parler tout à l'heure, hein, Daniele, si vous voulez. Mais non, c'est dans, le fait est que, et je terminerai sur ce point-là, Hanro, dans notre environnement et dans ces mutations dont on a parlé, qui depuis une vingtaine d'années n'ont cessé à la fois de s'accélérer, de s'étendre à tous les champs de la vie, et puis aussi de s'intensifier, j'ai presque envie de dire verticalement, de s'intégrer dans tous les champs de la vie. Hein. On peut analyser le comportement d'une personne aujourd'hui, aussi bien dans sa vie domestique, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle et dans sa vie urbaine, par exemple, un peu tous les champs de la vie quotidienne, c'est on est innervé d'usage ou d'enveloppement des technologies numériques. Donc ça, effectivement, cette puissance d'influence, cette puissance de structuration de nos existences à l'échelle de la planète, elle est de plus en plus forte, elle est de causes multiples, très multiples, elle prend des formes très multiples. Il faut l'analyser, une fois encore sans morale, mais il faut l'analyser en tout cas sur un prisme prioritaire que moi j'ai pu analyser, qui me paraît prépondérant et qui me semble qui n'est pas suffisamment encore vu aujourd'hui, mais un point qui me semble prépondérant, c'est même le point capital à mon avis d'un point de vue civilisationnel, anthropologique et philosophique, c'est celui que on a l'humain a érigé des systèmes qui de plus en plus, et là si je fais le geste, c'est un geste que je fais souvent, des systèmes qui orientent la décision humaine à différents niveaux, qui orientent la décision humaine. Alors ça peut être de l'individu avec qui utilise son smartphone, qui utilise des applications qui lui suggèrent de faire telle chose plutôt que telle chose, orienter la décision humaine en vue principalement via une connaissance toujours plus approfondie des comportements et en vue généralement d'opérer toujours plus de transactions marchandes dans un laps de temps déterminé. Hein. Donc ces systèmes-là d'interprétation du réel, d'interprétation des comportements que sont les systèmes d'intelligence artificielle, qui sont capables d'interpréter, mais de suggérer en retour. Hein. Par exemple, l'application Waze. Voilà un système que tout le monde utilise, racheté par Google à une société israélienne en 2005, l'application Waze que tout le monde utilise, j'ai encore utilisé en venant ici tout à l'heure. Hein, donc c'est pas, il n'y a pas de morale là, hein, je ne mets pas de morale vaine ou inadéquate ici, qui interprète en temps réel les flux du trafic, qui interprète hein, des choses que je ne sais pas, que personne ne sait, donc une sorte de pas d'omniscience, mais de capacité à interpréter les phénomènes de façon éminemment plus rapide et plus global par des systèmes automatisés qui interprètent et qui en temps réel nous exposent des situations, quantité de situations, en l'occurrence là, l'état du trafic, et qui suggèrent de prendre tel itinéraire plutôt que tel itinéraire. Alors là, vous allez me dire, franchement, c'est pas mon libre arbitre qui est remis en cause. Non, mais il y a des systèmes qui orientent ma décision. Mais il y a aussi au moment où, parce que, bon, je ne vais pas trop parler, hein, mais au moment où, à mon sens, l'intelligence artificielle, c'est une instance à dire la vérité, parce que souvent, on ne donne pas de définition de l'intelligence artificielle. Bah, il faut en donner, hein, l'analyse philosophique doit donner des puisque la technologie ne les donne pas, alors c'est à nous d'en donner.
l'intelligence artificielle qui environne de plus en plus nos existences, ce sont des systèmes interprétatifs, toujours plus capables d'interpréter des situations de tous ordres, des états de santé, mon bien-être avec la vidéo qui analyse mes états du visage, une enceinte connectée d'Amazon qui analyse mes voix et qui sait dans quel état je suis et qui peut deviner mes désirs, et les entrepôts Amazon qui interprètent la position des produits, du camion qui doit partir à telle heure, des manufacturiers, puissance d'interprétation et puissance de suggestion et de recommandation. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, de puissance de recommandation? Ça veut dire que c'est une puissance à énoncer la vérité à différents niveaux. Et pourquoi je parle de vérité? Après, je vous promets que je termine sur cela. Parce que la vérité, à la différence de l'exactitude, elle a toujours quelque chose de performatif, d'injonctif. Je m'explique. Il y a, par exemple, la vérité religieuse qui dit... par exemple, vous ne devez pas manger tel, vous devez tel, suivre tel régime alimentaire. Hein. Par exemple, dans l'islam ou le judaïsme, ne pas manger de porc. Pour ceux qui se conforment à ces dogmes, eh bien, ça a valeur de vérité et on se conforme. Ou alors, par exemple, la vérité des parents qui disent à l'enfant, il est 9h du soir, il faut aller se coucher. Il y a une vérité et on s'y conforme. Donc une dimension performative jusqu'à injonctive de la vérité. Alors que l'exactitude, c'est factuel. Hein. Il fait beau aujourd'hui, c'est pour ça que quand le chargé de communication de Donald Trump en janvier 2017 a dit il a fait un temps merveilleux comme aujourd'hui, le jour de son intronisation, ben c'est pas vrai, il pleuvait, il faisait un temps affreux. Alors on disait fake news, post-vérité, mais c'est pas post-vérité, c'est pas de la vérité ça, c'est factuel, il a plu. Elle nous a dit qu'il fait beau, ok, mais c'est pas une affaire de vérité, c'est l'effet. Il a plu, c'est faux, c'est pas exact. La vérité appelle toujours à se conformer. Waze, c'est de la vérité. Waze me dit, tchac, 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 32 minutes, vous arrivez au maxi. Si c'est 32 à pied, 10 en tramway, hein, puis si vous prenez tel itinéraire, c'est 42. C'est pas d'exactitude, c'est de la vérité. C'est de la vérité parce qu'il y a une puissance d'interprétation, de situation où il y a quelque chose qui est éclairé sur un état de fait, et on me conseille de m'y conformer. C'est la vérité. Et on a érigé l'humain des systèmes élaborés pour énoncer la vérité. C'est énoncer la vérité. Et au moment où la technologie énonce la vérité, alors quand j'ai compris ça, moi je ne sais pas si je parle trop vite là pour la traduction. Non, ça va pour la traduction. Au moment où la technologie, technologos, logos, se met à énoncer la vérité, elle se met à parler. Alors là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, les enceintes connectées, par exemple, hein, 2016. Vous voyez, dans la puissance de recommandation, d'orientation de la décision humaine, de pression sur la décision humaine, je vous donne trois dates importantes qui éclairent un peu, hein. C'est l'apparition du smartphone en 2007. Le smartphone, c'est une rupture, hein, on le sait très bien. J'ai lu encore la semaine dernière que Zuckerberg, avec Metaverse, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est l'objet de mon prochain livre, de mon livre en cours, d'explorer le méta comme... Il a dit, nous aujourd'hui, on veut faire du métavers un moment iPhone. C'est intéressant la notion, je ne la connaissais pas cette expression, de dire un moment iPhone, c'est-à-dire un moment de rupture. Tchac, il y a un avant et un après. L'iPhone 2007, il y a un avant et un après, hein, c'est une rupture. Et c'est notamment une rupture, pas seulement parce qu'on peut connecter Internet à peu près de partout, à l'époque, par la 3G ou par le début du Wi-Fi, pas seulement parce qu'on peut avoir accès à des sites via une ergonomie adapté, hein, c'est-à-dire la taille plus réduite des écrans que celle des ordinateurs, mais à cause d'une chose. C'est une rupture dans ce que je disais. Alors je vous laisse deviner. À cause de quoi? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé, Hanro? Je suis sûr que vous n'êtes pas loin. Il y a ça, mais il y a une chose qui fait que
il y a une bascule. C'est les applications. C'est-à-dire, les applications, c'est des systèmes d'interprétation de nos comportements et qui commençaient à orienter, aller dans tel cinéma, il y a telle chose, je prends des habitudes, des notifications, faites ci plutôt que ça. Il y a un magasin de chaussures qui vous correspond, avec la localisation, en plus avec le GPS. Donc, puissance interprétative, pression sur la décision humaine, là, à des fins marchandes, principalement. Géolocalisation, on l'a dit. Et 2010, c'est très intéressant, ça n'a pas très bien marché, ça. Mais dans la même lignée, c'est-à-dire d'entretenir un rapport, c'est-à-dire à la fois de développer les capacités interprétatives des systèmes techniques, des technologies, et leur capacité de recommandation, et donc la capacité pour ce que je nomme le technolibéralisme, d'accompagner continuellement le quotidien des individus à l'échelle de la planète, en leur conseillant continuellement du matin au soir, mais du matin au soir, je vais vous donner quelques exemples, les conduites humaines, en vue de leur faire de les conduire à faire telle action plutôt que telle autre action, sont apparues en 2010, donc 3 ans plus tard, parce que vous comprenez... sortir le téléphone, il faut aller sur l'application, c'est lourd. Assistant numérique personnel, 2010, Siri. Vous savez, moi, on me l'a mis sur l'utilisateur. En 2022, j'ai Siri. À chaque fois, je l'utilise jamais. Hein. Je pense que peu l'utilisent. Mais l'idée, c'était quoi? Assistant numérique personnel. À l'époque, à l'écrit et après avec la voix. Nous dire constamment les administrateurs de notre bien-être. Les majordomes, comme on dit en français. C'est pour ça que, contrairement à Shoshana Zuboff, qui a écrit Le capitalisme de la surveillance. Moi, j'avais écrit un livre sur la surveillance en 2009. Bon, voilà, c'est comme ça. Puis je disais ça, mais moi, je ne pense pas du tout qu'on soit aujourd'hui dans un capitalisme de la surveillance. Les entreprises se fichent totalement de nous surveiller. En revanche, elles s'intéressent à administrer la bonne conduite de notre quotidien. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout une affaire de surveillance. C'est administrer la bonne conduite. Ouais, c'est la bonne conduite de notre quotidien. Hein. Et donc, l'assistant numérique personnel, qui a été acheté à une société militaire par Apple en 2010. Et d'ailleurs, souvent, des grandes innovations sont rachetées. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est autre chose. C'est la puissance, là. Là, si je dis ça, c'est une parenthèse. C'est la puissance. Car aujourd'hui, quand on parle des GAFAM, on parle de quoi? D'une puissance. De puissance au pluriel. Et c'est très, très puissant. C'est très, très puissant. Alors, moi, je veux bien qu'on soit... C'est très, 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 très puissant. Les capitalisations, je crois que c'est 4 000 milliards de dollars, là, Apple. Hein, c'est 4 capitalisations boursières. Hein, et tous, là, ils sont tous... et Amazon, c'est surpuissant. Bon, c'est une parenthèse, ça. Non, mais c'est une parenthèse qui compte sur comment nos sociétés, aujourd'hui, sont de plus en plus structurées, pas par les GAFA, mais par cet environnement technologique qui dépasse de loin les GAFA. Et donc, a été racheté par une société militaire et qui voulait... Quoi? Qui voulait d'une façon plus souple, plus continue encore, nous dire « Hanrou, je vous connais de plus en plus, allez acheter telle chemise dans le magasin, allez dans tel restaurant qui vous convient, allez dans... » Bon, ça n'a pas très bien marché, les Siri, tout le monde connaît Siri, hein, pour ceux qui utilisent Apple. D'ailleurs, sur le smartphone, presque personne n'utilise. Bon, peut-être que c'est comme ça, tout ne marche pas très bien, c'est comme les Google Glass, il y a des... Très intéressant, Google Glass. Mais on va arrêter là, je ne vais pas parler des Google Glass maintenant, mais c'est très intéressant sur l'échec, sur ce qui voulait être fait, sur l'échec. Sur... Et 2016, troisième moment, j'avais dit smartphone 2007, les applications début de vouloir suggérer d'orientation de la vie humaine. Waze, par exemple, sur le smartphone, application, c'est une application, Waze. Hein. C'est une application, hop, interprétation, suggestion. Il n'y a pas de meilleur exemple, hein, que Waze, il n'y a pas de meilleur exemple. En plus, avec le temps réel, c'est-à-dire d'interpréter les événements, même ils apparaissent, nous sommes dans une anthropologie du temps réel, hein, c'est-à-dire on colle au réel, on colle tellement qu'on veut entrer dans un nouveau réel qui est façonné, c'est le métaverse. Hein. On colle au réel, on crée un réel où tout est perçu, compris en temps réel, et, bon, c'est une autre anthropologie, ça. Bon, je ne pensais pas que j'allais être aussi en forme aujourd'hui, je me suis levé à 6h du matin, c'était dur, et, parce que je viens de Paris et je suis venu ce matin. Et le troisième moment, donc la voix,
la voix qui l'a créée. Il y avait le tactile avec le smartphone, donc une dimension charnelle, hein, nouveau rapport aux technologies, plus de fusion, de proximité, voire d'intimité, de caresse. Enfin, c'est pas rien quand même, un objet technologique qui crée un tel rapport au corps, un tel rapport charnel. Et quand on voit les adolescents qui tiennent leur truc comme ça, il y a quelque chose d'extraordinaire d'un pouvoir de séduction de l'industrie numérique, plus qu'extraordinaire, qui est de l'ordre de l'ivresse, hein, dans lequel nous tombons tous. La voix, nouvelle dimension d'un rapport comme ça, j'ai presque envie de dire, pas fusionnel, mais sans heurts, sans barrière, de fluidité. Et la voix, ces enceintes-là, quand elles nous parlent, elles ne parlent jamais pour ne rien dire, comme vous et moi, Anne-Roux, comme tout le monde, pour tout et pour dire tout et rien à la fois. Non, non, elles ont toujours une idée derrière la tête, hein. Toujours. Elles ont toujours une idée, c'est-à-dire de nous conduire à faire telle action plutôt que telle autre action. Ce qui sera le cas, je termine sur ça, sur la Google Car, qui ne marche pas autant qu'on le croyait, parce qu'il y a 10 ans, on disait en 2022, la Google Car sera partout. Non, les choses ne se passent pas toujours comme les évangélistes nous l'annoncent, pour lever des fonds, dire, ah, il y a le monde merveilleux qui va apparaître très très rapidement. Ce n'est pas toujours le cas, c'est l'effet de réel, il existe aussi le réel. On ne peut pas que le façonner du matin par l'industrie. Il y a du réel, bon, c'est comme ça. On n'est pas encore dans l'automatisation de la circulation urbaine intégrale. Peut-être qu'on ira, mais en tous les cas, on y croit moins. Mais pourquoi je parle de la Google Car, qui est très intéressante, qui s'est développée à partir de 2010. Petite parenthèse, la puissance. Google a dit en 2010, qu'est-ce qu'ils connaissent dans la voiture, Google? C'est le moteur de recherche. Vous allez me dire ce qu'ils connaissent dans la voiture? C'est la voiture, c'est Ford, c'est Fiat, c'est Renault, c'est PSA, c'est pas... Ben, ils connaissent rien. On se lance dans la voiture autonome, tout le monde y allait, tout le monde. VW en Allemagne, Volkswagen, tous les plus grands groupes du monde, ils y sont allés. Parce que Google, la puissance, donne le ton comme si de détenait la vérité industrielle, la vérité de parole industrielle. Tout ce qu'on a vécu au cours des années 2010, hein, parole de vérité. Enfin, là, c'est une autre parole de vérité. Hein, parole de, vous savez, tout le monde, Obama rencontrait, par exemple, les gens de Google une fois par semaine. Hein, ces années-là où j'ai écrit la siliconisation du monde au milieu des années 2010, c'était une glorification de l'idéologie, oui, de la techno-idéologie de la Silicon Valley. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je vais terminer? Oui, la Google Car, c'est quoi l'idée pour Google d'être mis dans la Google Car? C'est de l'interprétation des comportements. Nos paroles, l'interprétation... comprenez, on ne conduit pas. Donc on a le temps de faire plein de choses. Donc on va s'occuper de vos loisirs. Anne-Roux, je vais vous proposer d'aller dans telle pharmacie parce que mes systèmes analysent vos états du visage, vous avez l'air fatigué. Je vais vous proposer, en roulant comme ça, on a le temps... J'analyse vos comportements. Il y a même des analyses dans des brevets, ce n'est pas la science-fiction, d'analyse de la sudation, c'est-à-dire de la sueur. Pourquoi analyser la sueur dans les voitures? Quand je vois ça, je me dis, il faut aller observer. Ben ouais. État émotionnel, caméra analyse informatique émotionnelle, par Google, connaissance de plus précise des comportements, la voiture qui parle, qui oriente, et comment elle parle et elle oriente, la voiture, et après je vais terminer sur ça, dans la dimension d'orientation des conduites, des comportements humains dont je parle depuis 20 minutes. Hein. Comment ça se passe? C'est Google, comme tous les GAFA, mais c'est ça l'enjeu industriel, l'enjeu économique et l'enjeu industriel de notre temps. Dommage que je doive tenir le micro, parce que cette image, c'est de collecter le plus de données et d'être capable de plus en plus comprendre chacun d'entre nous et de proposer ou Google, ou Apple, ou Amazon, ou d'autres grands groupes de la donnée, eux-mêmes des produits, par exemple dans la santé, si, parce que Google se met dans la santé, Apple, en fonction de la connaissance des comportements. Alors si en plus de connaître les comportements sur smartphone, sur ordinateur, en plus on connaît les comportements dans la maison, la domotique, et si on connaît aussi les comportements dans la voiture, ça donne des nouvelles strates de compréhension des conduites, hein, jusqu'à nos dimensions les flux physiologiques, émotionnels, dit-on, paraît-il, à vérifier la fiabilité de ça, bon, c'est pas... Et qui, ou
vendre eux-mêmes des services, des produits, ou alors vendre cette connaissance aux enchères à toutes les entreprises du monde entier, par des systèmes d'intelligence artificielle. Moi, Google, j'ai pas le restaurant du coin, mais pour telle personne qui se trouve à tel endroit, ça peut vous intéresser. Hop, j'achète le mot-clé et la voiture se met à parler. Hanrou, je vous conseille d'aller au Relais Château parce que vous avez les moyens d'aller dans ce Relais Château qui est à 3 km d'ici et vous allez être ravis au vu de tout ce que je sais de vous. Vous voyez, le modèle à l'échelle de tous les individus de la planète, là, je parle que de l'échelle individuelle. Mais cette dimension d'orientation de la décision humaine, elle a lieu à plusieurs niveaux. Je terminerai là-dessus. Moi, j'ai analysé à 4 niveaux. Un niveau suggestif qui a lieu principalement au niveau individuel. Suggestif. Comprenez, quand c'est suggestif, quand des systèmes de plus en plus me disent des choses qui me conviennent, si j'écoute, à un moment, ça sera pas, on n'est plus dans le suggestif, on est dans le conforme, on est dans une sorte d'exact, qui font que, comprenez, quand on parlait de libre arbitre, c'est difficile après de dire non. Le système qui me connaît si bien, qui a une telle connaissance des états de choses en temps réel, ils me disent, pour vous, Eric, c'est ça qu'il faut. Ça sera très difficile pour chacun de nous de mettre de la distance. Donc, est-ce qu'on est dans le suggestif ou est-ce qu'on est dans un autre adjectif? Je n'ai jamais trouvé un autre mot pour ça. Mais il y a aussi dimension injonctive. Par exemple, je terminerai, les systèmes d'assurance. Qui aujourd'hui peut croire que l'octroi d'un crédit, ce sont des humains? Non, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle, d'interprétation des historiques des clients, des pratiques, interprétation des contextes plus larges, qui disent on peut oui ou non donner tel crédit à tel taux, etc., etc. Pareil, par exemple, pour les cabinets de recrutement aujourd'hui, vérité. Des cabinets de recrutement aujourd'hui qui, par exemple, s'il y a un poste, il y a 300 candidatures, on ne va pas rencontrer 300 personnes, c'est trop. Alors on va les faire dialoguer avec des chatbots ou en vidéo, selon des critères dont on ne sait rien, donc on peut imaginer lesquels c'est, les critères, la plus grande docilité, la plus grande capacité de flexibilité, etc. On dialogue avec eux, et les systèmes d'intelligence artificielle interprètent et disent au cabinet pour l'instant, en 2022, comment ça sera en 2030, on n'en sait rien, disent, on vous désigne 6 candidats qui conviennent le mieux. Après, il y a des humains à la fin, et ils vont décider des 6 candidats. C'est des systèmes d'intelligence artificielle qui ont dit la vérité, qui orientent la décision humaine, jusqu'à la médecine, ce que j'ai appelé dimension prescriptive, et jusqu'à le travail, le domaine militaire dont je ne vais pas parler là, le travail, certaines modalités managériales, qui n'est pas du suggestif, qui n'est pas de l'injonctif, qui n'est pas qui est du coercitif. Amazon, c'est du coercitif. Tu n'as pas le choix. On te dit d'aller là, tu n'y vas pas, c'est évalué. Et tu as mal bossé, tu n'as pas respecté la cadence et tu peux perdre. C'est du coercitif. Donc, ces systèmes depuis quoi ? Alors, on est en 2022, depuis en gros une grosse dizaine d'années, qui sont en train de changer, parmi d'autres choses en cours, considérablement, j'ai même pas envie de rajouter très considérablement, ça ne se dit pas en français, mais notre anthropologie, notre civilisation, notre société et notamment, et à mon sens principalement, par ces systèmes très très troublants, voilà, d'encadrement, d'enveloppement, d'orientation, d'infléchissement de l'action humaine, tant individuellement que collectivement, et à l'intérieur de divers champs de la vie humaine. Bon. Je crois que c'est très clair que vous parlez. Je ne sais pas si j'ai parlé trop vite, Andrew, pour la traduction. S'il faut demander. Ça va? Ça va? Parce que je parle vite, ça va? Bon, c'est vraiment très très puissant, effectivement, la force de structuralisation de la technologie. Et aujourd'hui, depuis 3 jours, la nouvelle, c'est Elon Musk. Pardon? Elon Musk, Twitter. D'acheter Twitter pour 44 milliards. Et en plus, d'autres choses qui est très intéressant, c'est que c'est grâce à lui qu'on rentre dans une guerre de technologie, ou une guerre de technologie, je peux dire ça, ou une guerre technologique en grandeur nature, qui est la guerre actuelle entre
ukrainiens et contre les Russes grâce à, au système de Starlink, mm-hmm. entre autres choses, que les Ukrainiens réussissent à résister jusqu'ici. Mm-hmm. Donc, la question est votre opinion sur ces surpuissances dans deux sens-là. Pour le bon, pour le bien, je ne sais pas. Pour le bien, pour le mal. Une figure, un personnage comme Elon Musk, qui est peut-être le sommet de la silicolisation, dont vous avez comment dire, inventé ce terme. Et votre position sur cette représentation d'une figure aussi puissante, mm-hmm. dans un contexte actuel, c'est quoi? Est-ce qu'on rentre dans une autre phase encore plus... D'autre phase de? Encore plus... je dirais... Je comprends. Dramatique, radicale, avec ces phénomènes, je dirais, contradictoires. D'accord, d'accord. J'entends bien ce que vous dites, Han Hu. Pour moi, à mon sens, la figure la plus représentative de la puissance siliconienne, apparemment, c'est Elon Musk, je pense. Pour ma part, et surtout pour ce qui s'annonce, je pense que c'est beaucoup plus Zuckerberg. Parce que il a annoncé quelque chose. Il a annoncé quelque chose qui risque d'être en tous les cas, je l'espère. Enfin, il le faut, qu'il soit un objet de lutte dans les années à venir. Alors, je m'explique en quelques mots. Alors, vous avez parlé de puissance, Han Hu. Vous avez repris ce terme à juste titre, parce que c'est vrai qu'il y a eu une. C'est pas rien. C'est pas anodin. De voir l'héroïsation qu'il y a eu des grandes figures de la Silicon Valley depuis une vingtaine d'années. Ça remonte aussi à Steve Jobs et Bill Gates aux années 80, hein, des figures un peu christiques, c'est pas le mot, mais en tous les cas prophétiques, hein, des personnes qui avaient un peu compris avant tout le monde des choses, qui les mettaient en œuvre, et qui changeait la donne. Un moment smartphone, dit Zuckerberg. Hein. Comme si nous étions entrés dans un moment où des personnes, c'est-à-dire un moment presque apolitique, quoi, hein, ou alors une politique qui entre dans des catégories qu'on d'habitude on classe sous le régime du totalitarisme, c'est-à-dire un moment politique où on célèbre des personnes qui auraient le don presque à elles seules de changer l'état du monde. C'est pas rien quand même, hein. C'est-à-dire c'est plus le général de Gaulle en France ou Garibaldi ou je ne sais qui, enfin d'un point de vue politique, hein, ou Mao Zedong, je le dis mal, hein, je le dis à la française, qui pourrait changer l'état de la société, qui pourrait... comme disait Mitterrand et son équipe en 1980, on va passer de l'ombre à la lumière. Qui pourrait croire aujourd'hui que la politique pourrait inclure de telles modifications par simplement la volonté politique? Plus personne ne croit en ça, et c'est tant mieux. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que ce n'est pas une prise de relais, mais il y a eu l'idée qu'il y a eu des grandes figures qui ont été héroïsées, dont on s'est rendu compte qu'elles avaient la puissance de modifier les choses en termes d'innovation, mais en termes d'innovation avec des effets sur la société, et qui ont eu des effets de retour sur eux-mêmes, c'est-à-dire un effet de puissance à croire qu'ils avaient, par l'état de la puissance technologique, par l'état de leur puissance économique,
par l'état de leur puissance à mobiliser des troupes d'innovation, d'à chaque fois avec ce terme qui est quand même extrêmement violent de disruptif, pardon, c'est-à-dire de considérer le temps, l'évolution, la recherche comme une occasion de toujours tout casser en continu, quoi, hein, de tout casser, de créer des effets de destruction-création, comme dit l'autre, la Schumpeter, création, destruction-création, en tout cas création et puis ça détruit, c'est pas que de destruction-création, création-création de dite innovation numérique, puis ça détruit, puis on... Voilà, donc l'idée qu'ils avaient, eux, cette puissance-là, qui leur est tellement montée à la tête, qu'il y en a un qui veut aller coloniser Mars et Elon Musk, et qu'ils ont voulu aspirer à l'immortalité avec toute cette logique transhumaniste qui est à l'œuvre dans la Silicon Valley. Donc, cette puissance-là, elle a œuvré, elle ne cesse d'œuvrer, hein. Quand on voit comment Jeff Bezos, qui est une personne, et puis son entreprise, sa vision des choses, a modifié le commerce, a créé des nouvelles modalités, là, il y a une puissance de transformation qui vient d'une origine très déterminée, qui a été après reprise, etc., mais qui vient d'une volonté de puissance et d'une capacité de puissance, à modifier, d'une capacité, de moyens de puissance, d'une volonté aussi. Et cela, on l'a compris. Ce qui s'est passé au cours des années 2010, c'est que les sociétés sont moins naïves. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la puissance des grands groupes technologiques, tout le monde a compris que ça pouvait même procéder par excès, à tel point que l'Europe... l'Europe, la Commission européenne, l'Union européenne, qui est un peu aux avant-postes d'une volonté de réguler les choses, mais c'est assez récent, hein. À un certain moment, l'Europe et tous les pays du monde entier voulaient faire de leur pays, comme Macron, Startup Nation, hein, c'est-à-dire de célébrer cette idéologie, j'ai presque envie de dire, d'une sorte de libertarisme technologique, hein, de Far West, d'une liberté absolue d'innovation qui contiendrait une forme de vérité qui ne serait même pas à contredire. Et il faudrait entériner cela. Hein. C'était ça le début d'Uber, c'était ça le début d'Airbnb, c'était ça le début d'Amazon, c'était ça le développement de l'intelligence artificielle au début des années 2010. C'était l'horizon lumineux et indépassable et inéluctable de notre temps. Hein. C'était ça, cette idéologie-là, que j'ai appelée la siliconisation du monde. C'est-à-dire tout le monde se la réappropriait. En gros, ce que j'ai appelé la siliconisation, c'est que tout le monde voulait devenir la prochaine Silicon Valley. Hein. C'était l'heure de la revanche mondiale. La Silicon Valley avait généré des phénomènes de clonage, quoi, hein, de clonage ou de colonisation, mais pas de colonisation selon les modalités historiques de subir les choses, mais de se réapproprier un modèle et de le développer. Hein. Aujourd'hui, ça a changé. Les choses vont très vite dans tous les sens. Tout de même, ce qu'on a vécu ces 5 dernières années, c'est la vitesse des transformations. Ça, on peut pas rester debout une seconde sans que des choses tombent, on le sait ça, hein. La vitesse des transformations. 2022, c'est pas 2015-2016, pourtant c'est que 6 ans. Aujourd'hui, les consciences ont évolué, les sociétés ont compris des choses, des législateurs à hauteur de l'Union européenne, à hauteur nationale, à hauteur du Sénat américain, ils ont aussi compris des choses, mais ça suffit pas. Les sociétés sont plus inquiètes, ce qui n'empêche pas d'utiliser Amazon, ce qui n'empêche pas d'utiliser les smartphones, ce qui n'empêche pas de voir des hordes de travailleurs travailler dans des conditions inhumaines sans que ça mobilise la société. Absolument pas. Parce que vous avez déjà vu une manifestation de gens qui ne travaillent pas chez Amazon pour aller manifester contre ce que moi je considère des conditions managériales, mais inhumaines, inacceptables. C'est moralement inacceptable que des systèmes oriente avec des grilles objectives dont on ne sait rien, oriente, encadre de façon coercitive les gestes humains, c'est inacceptable. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le pur produit, le résultat immédiat de ce qui est nommé innovation numérique, qui a été glorifié durant les années 2010. Comme je disais souvent quand j'étais dans des débats contradictoires face à des glorificateurs de l'innovation numérique, c'est très très bien, mais il y a le majoritairement structurant. Et le majoritairement structurant, en tout cas
pour une partie majoritairement, c'est le management contemporain qui utilise les technologies numériques. Moi, je veux bien que vous célébriez l'innovation numérique. Regardez ce que ça produit. Nespresso, allez voir Nespresso, les trous musculo-squelettiques, les gens qui travaillent au bout de 10 jours, ils deviennent malades, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? La cadence. Prime Amazon, 24 heures. Comment on va monter une entreprise de livraison en 24 heures ? Ce n'est pas encore tellement robotisé, hein, même avec les drones. Les humains sont encore dans la boucle. Donc cette puissance dont vous parliez, Hanro, structurelle. Il y a de la distance, on a compris que les choses sont... Il y a plus de méfiance de la part de la société, des politiques, allez, je dis ça, j'y crois même pas, ben non, de certains organismes législateurs, je pense qu'on en a parlé, à l'Union européenne, entre autres. Mais cette course, on est dans un moment historique, là, 2022, très intéressant. En tous les cas, c'est celui qui m'intéresse actuellement. Il est très intéressant à trois titres. C'est la première fois que j'en parle dans ces termes, parce que pour moi, c'est le meilleur moment de parler quand je suis dans un chantier de livres. Pas de parler d'un livre passé, parce que j'ai tout oublié. Dès que j'étais rien, j'ai tout oublié. Mais alors là, un truc en cours, non, j'oublie pas, mais... Et 2022, c'est très intéressant. Parce que quoi ? Covid, post-Covid, confinement, où du jour au lendemain, nous avons été tenus de mener quantité d'actions de la vie humaine en ligne, à distance, dont certaines dont on ne savait même pas qu'on pouvait les mener à distance, des sommets de chefs d'État, d'éducation pour tous les lycéens, enfin tous les écoliers du jour au lendemain, et puis ça marchait plus ou moins, des téléconsultations médicales, jusqu'à des apéros WhatsApp, c'est-à-dire une extension de champ de l'action humaine qui s'est faite à distance. Jusqu'au point où on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire sans avoir besoin d'édifices physiques, d'édifices matériels. Hein, à tel point, c'est ce qu'on appelle maintenant le flex office dans le management. Hein, puisqu'on s'est rendu compte par la pandémie, le confinement, qu'un nombre très important, enfin, plus important qu'on croyait, de tâches peut être effectuées en ligne, ça change la donne. Il y a un avant et un après. C'est plus la même chose. Hein. Cela va induire des... Ah voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Cela va notamment induire l'émergence d'une nouvelle mondialisation. Vous savez, tout le monde a tendance, justement, après le Covid, à vouloir relocaliser. Hein, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'industrie sur nos territoires, de masques, de médicaments, de vaccins, etc. Donc, la tendance, on le sait très bien, à la relocalisation. Mais, en même moment, est en train d'émerger une nouvelle mondialisation qui est celle des services. Je vous donne un exemple. Puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire un nombre de plus en plus étendu de tâches et d'actions à distance... Et que les locaux, par exemple à la Défense, il y a maintenant beaucoup de bureaux vides, vous savez, ce grand quartier d'affaires, mais dans toutes les villes du monde, c'est comme ça. Il y a un problème aujourd'hui de locaux achetés par exemple Deloitte, je ne sais pas comment on dit. J'ai lu encore à Londres, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil dans le monde, à la City, je crois qu'ils ont abandonné 30 000 ou je ne sais plus combien de mètres carrés en quelques mois. Donc, gain de coût. Et puis l'idée que, puisque ça peut se faire à distance, remise en cause du salariat à terme, au profit du freelancing et du travail à la tâche. Et du travail à la tâche à distance. C'est-à-dire pour nous, Français, pour l'Italie, c'est plus compliqué, et c'est encore plus facile pour les Américains ou les Anglais. On peut demander, par exemple, en graphisme, en conseil juridique ou en je ne sais trop quoi, demander des travailleurs à la tâche à des Indiens ou à des personnes anglophones qui travailleraient en Afrique ou dans des territoires au niveau de revenus moindre. Ça va induire une nouvelle mondialisation où de plus en plus les choses vont se faire par ce que j'ai nommé la télésocialité. Hein, télésocialité. Et puis, il y a le fait que cela amorce le fait de... j'ai un coup de fatigue là. Le fait de intensifier ce mouvement. Et au moment où on voudrait
retrouver des relations charnelles, on peut retrouver. Il y a l'idée de capitaliser, de produire quelque chose à partir de ce moment-là que nous avons vécu. Et c'est à ce moment-là, c'est pas un hasard si c'est en octobre 2021, que Mark Zuckerberg annonce son intention de transformer le nom de sa compagnie de Facebook à Metaverse. Alors Metaverse, au moment où les sociétés sont inquiètes, où ont eu aussi pour certaines, je pense aux jeunes, je pense aux étudiants, je pense aussi à des gens qui travaillent dans des entreprises, il y a beaucoup d'études en ce moment, beaucoup d'études de sociologie, où des gens ont envie de retourner, mais il va y avoir des luttes là aussi, entre combien de jours en entreprise, université métavers, hein, vous voyez vers quoi on va là, hein, alors que les étudiants ont souffert d'être chez eux, à étudier à la maison, étudier, si vous avez les moyens d'étudier, hein, vous savez, je ne sais pas comment dire en italien, décrochage, en français on a dit décrochage universitaire, des gens qui ont décroché, quoi, hein, ils ne peuvent plus, ils allaient à l'université, ils allaient au lycée, puis à la maison ils ne peuvent plus, ils ne suivent plus. Hein. Mais oui, mais on peut intensifier, on peut aller créer des nouvelles modalités, créer des gains, créer des nouveaux produits. Mais il y a aussi une partie de la société qui ne voudra pas. Au moment où la société a vécu des choses qui ont été rendues possibles, alors là on n'est ni dans le positif ni négatif, des choses qui ont été rendues possibles, et puis des choses qui au bout d'un an, deux ans, on se dit, on va un peu atténuer le phénomène. Il y a Zuckerberg qui dit, octobre 21, on va l'accentuer. Non seulement on va l'accentuer, à l'expo Kaofei, j'ai un peu expérimenté le casque. C'est-à-dire, alors là, notre société qui a contribué de plus en plus au cours des 50 dernières années à faire émerger ce que j'ai nommé un état d'isolement collectif, alors avec le métavers, l'isolement collectif, il va être patent. Hein. C'est-à-dire, tout le monde derrière ses masques. À être dans une télésocialité généralisée, là c'est ce monde qui est en train d'être élaboré à coût de milliards de dollars par Zuckerberg, par d'autres compagnies, tout le monde s'y met, le métavers. Mais contrairement à la Google Car, contrairement au Google Glass, contrairement aux enceintes connectées où ça venait dans nos vies. Et puis la société là à dire j'achète, j'achète pas, j'y vais pas. Là, c'est un projet civilisationnel et anthropologique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire de vouloir embrigader l'expérience humaine dans une unité numérique, dans une pixelisation de la vie, et qui va changer du tout au tout notre anthropologie, et ce que veut dire même la sociabilité, la société, le fait d'être ensemble, le fait de travailler, le fait de vivre des loisirs, du tout au tout. Et là, il va y avoir des luttes. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se joue dans ce moment-là, c'est-à-dire dans ce moment d'amorce du métavers, parce qu'il y a des gens qui me disent « mais tu y crois pas, est-ce que ça va être réalisé, ça va pas être réalisé ?» L'idée, c'est plutôt de saisir qu'il y a déjà des dimensions qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est quoi l'œuvre? C'est que nous réalisons toujours plus d'actions de notre quotidien individuellement et collectivement à distance, hein, collectivement, hein, dans le champ du travail, de la société, et que l'idée, avec tout ce que suppose la distance, la ligne, les pixels, l'écran, la continuité de l'écran, on va l'intensifier. Et sous des modalités qui vont enfermer et des modalités qui vont vouloir être englobantes sur toutes les activités humaines. Aller dans des cafés métavers, enfin bon, des concerts métavers, des théâtres métavers, le travail métavers, la médecine métavers, tout métavers via des casques. Donc une sorte de, ce qu'on peut dire très simplement entre nous, un cauchemar de société. Un cauchemar, hein, cauchemar de société. Une question que je me pose, il y a une apathie de la société, de toutes les forces de la société, du législateur, des politiques, à l'égard de la puissance du numérique, de l'industrie du numérique. Là, quand vous avez quelqu'un comme Zuckerberg, avec tout cet imaginaire, parce que là je vais un peu parler d'art ou d'image, toute cette iconologie-là qu'il faut analyser, mais qui est une iconologie qui regarde une génération, c'est-à-dire ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qui sont trentenaires aujourd'hui, et qui veulent imposer leur esthétique, mais kitschissime, elle est kitsch, régressive, à toute l'humanité.
Vous avez vu des images métavers? C'est horrible, c'est d'un kitsch, mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est d'un kitsch. Le fameux NFT maintenant. Absolument, absolument. Donc cet imaginaire, ces modalités-là, qui voudraient être imposées à l'humanité entière pour englober quantité d'actions, est-ce que nous, en société, on va être moins apathiques? Allons-nous accepter? Si oui, selon quelle modalité? Allons-nous refuser selon quelle modalité? Il y a, à mon sens, du moins, j'ose l'espérer, des luttes à venir au cours de cette décennie 2020, qui va être d'autant plus compliquée par le post-Covid, où on a vu des choses qu'on ne savait pas, on a éprouvé, pardon, des choses qu'on ne savait pas, et qui donnent raison, d'une certaine façon, à la logique métavers. Et puis il y a des groupes, la puissance, qui font tout pour qu'on y aille. Et qui notamment, et je terminerai sur ça, opère beaucoup d'influence sur les cabinets de consulting. Et vous savez que les cabinets de consulting, comme Deloitte, comme Accenture, sont ceux qui conseillent les entreprises sur les modalités managériales, sur les nouvelles modalités à mettre en œuvre, et qui parfois, Hanrou, c'est comme Cao Fei, c'est de l'ordre de la science-fiction. Ils sont dans un délire total, mais Cao Fei, elle est critique avec dans son observation. Le problème, c'est que c'est romancier de la vie contemporaine et de la vie future. C'est romancier, c'est scénariste que sont les grandes figures des groupes de consulting. Ils défendent des intérêts privés, ils défendent une vision du monde qui est celle d'une hyper-optimisation, d'une hyper-rationalisation de la société. Covid, hyper-rationalisation, on a pu faire des choses depuis notre domicile. L'industrie et les profits et les nouveaux produits, et aussi, pas seulement ça, une certaine idée de la société, hyper rationnelle, où tout s'opère en temps réel, où il n'y a pas de perte, il n'y a que du gain, il n'y a que la meilleure organisation supposée possible qui se met en œuvre. Est-ce que nous, en société, on va vouloir aller vers ce qu'on peut appeler un hyper rationalisme qui va vers un hyper hygiénisme, et aussi un hyper-technolibéralisme où, avec l'interprétation des comportements continus, et là, c'est plus seulement mes requêtes Internet, ni ma voix. C'est le eye-tracking, par exemple, hein, les regards sur le casque, hein, eye-tracking, et puis les flux physiologiques, la sueur avec les dimensions des objets haptiques. Donc, une connaissance intégrale humaine et aller dans le métavers, dans tel espace, telle galerie commerciale, donc une marchandisation intégrale de la vie. Ce que j'ai décrit là, quand je le décris comme ça, vous me dites, c'est un cauchemar. Ce cauchemar, il est de la puissance, puissance financière, puissance idéologique, puissance industrielle. Ils sont en train de le former, ils sont en train de le construire. Moi, je fais de la veille, comme on dit, c'est-à-dire tous les jours, je regarde. Ça va très vite. La société, aujourd'hui, quand on parle de métavers, il y en a qui ne savent toujours pas ce que c'est. Et ça se construit. Allons-nous, en société, accepter ce monde-là, qui n'est plus celui du monde du smartphone, qui est déjà le monde de Black Mirror, où tout le monde regarde son smartphone. Enfin, ce n'est pas le monde de Black Mirror, là. Hein. C'est le monde de l'isolement ou de collectif, où chacun va être, peut-être pas 100% du temps, mais tendanciellement, une société où des choses se font, voilà, via des pixels, et où la vie, elle est toujours, ce que je disais pour Google tout à l'heure, l'interface, interfacée via une vie interfacée avec des entreprises. Quand j'ai dit ça, on voit bien comment immédiatement ça éveille le réflexe critique, ou alors j'ai mal parlé, hein. Mais est-ce que cet éveil critique, en société, dans ces années-là qui viennent, on va être capable de le mener? Je ne sais pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais... Dernière question, qui est justement à l'opposé de cette rationalisation de la société. Il y a d'autres choses dont vous parlez dans ce livre, c'est le contraire, c'est l'ingouvernabilité de la société, et on est en train d'aller vers vous utilisez un exemple très intéressant, c'est le selfie qui amène à une sorte de, je peux dire, massive autosuffisance du soi. Mm-hmm. Ou plus exactement, cette généralisation
l'ordre absolu et le chaos absolu. Merci Anne-Rouge, je vais être plus court là, je vais essayer d'être court parce qu'il est tard. Oui, dans ce livre-là, j'ai un peu inversé la focale, c'est-à-dire plus seulement opérer une critique des technologies numériques, mais opérer une focale sur les effets, après 20 ans de pratique toujours plus assidue, toujours plus continue, toujours plus globale, globalisée, quels sont les effets sur nos psychés individuels et sur la société. C'est ce que j'ai analysé. Et ce que j'ai analysé, c'est ce très troublant télescopage historique. Daniel et moi, je n'ai pas dit que c'est les technologies qui nous rendent fous. C'est le télescopage. Et puis, je ne dis pas qu'ils nous rendent fous. Je ne dis pas ça. Qui crée une nouvelle condition de l'individu contemporain. Il est particulier, cet individu contemporain, dont je suis, dont nous sommes tous, hein, un individu contemporain. Nous sommes dans une épistémée, comme dirait l'autre, particulière. Une époque, nous vivons une époque. Mais cette époque, elle a été, pour beaucoup, ça reprend ce qu'on disait, Hanro, pour beaucoup, pas que, il y a d'autres, heureusement, de moins en moins, mais il y a d'autres facteurs, pour beaucoup structurés par les technologies numériques et notamment les technologies personnelles. Technologies personnelles qui ont eu des effets sur la psyché humaine, sur l'état de la société, et à mon sens, à un moment, je dis, il faut l'analyser, ça. Et ce télescopage, c'est quoi? C'est très simple, je l'explique en quelques mots, là, maintenant. C'est une singulière histoire entre une évolution, une histoire, qui en gros a pris le temps d'une cinquantaine d'années, hein, une histoire en tous les cas dans le Nord, et puis après ça regarde maintenant plus ou moins la Terre entière, mais au début, surtout dans les démocraties libérales, hein, dans les États-Unis, en Europe, surtout ça, hein, après ça s'est étendu à la planète, cette ethos qui voudrait qu'il y ait une sorte de désillusion progressive, toujours plus forte, à l'égard de ce qui est nommé pacte social, qui a subi notamment par la massive inauguration du néolibéralisme aux États-Unis, et Thatcher la même année, enfin, 79 et 80, Reagan aux États-Unis, puis ça s'est étendu à plein de pays européens et au Japon, voilà, et qui avait une déréliction des services publics, une aggravation de la concurrence, aggravation des difficultés managériales. Je pense que, là, j'ai assez parlé comme ça, mais moi je pense que si on veut voir depuis 30 ans le cœur de la souffrance contemporaine, il y a la misère partout dans le monde, mais il y a le travail. Hein. Je pense que si on veut voir le cœur des souffrances, c'est certaines modalités de management qui sont inhumaines et que le néolibéralisme en Occident, mais sous des formes multiples aussi après partout, par la mondialisation, a créé des formes qui sont... qui ont visé, mais comme jamais, selon des modalités techniques toujours plus subtiles, sophistiquées, de recherche de productivité, d'efficacité logistique, et de toutes sortes. Et cette histoire de désillusion, de précarité croissante de l'existence, hein, par l'effacement de mécanismes de solidarité, s'est accompagnée aussi par... une histoire de la société, aussi par une histoire des techniques, c'est accompagné d'une histoire de l'individualisation de la société. Hein. On peut par exemple parler comme objet technologique l'automobile, hein, où on utilise moins de transports en commun, l'automobile au cours des années 60, 70, les autostrades en Italie, l'individualisation de la société, la télévision, les micro-ondes, le magnétoscope, toujours plus individualisé, et puis... relativement aussi à toujours plus de désillusions, hein, et aggravation des conditions d'existence, et aussi c'est ça que j'appelle l'isolement collectif, et aussi d'injonction avec l'idéologie de l'auto-entrepreneuriat de soi, qu'a essaimé à partir des années 80. C'est-à-dire en gros, comme avait dit Kennedy, n'attendez pas de savoir ce que les États-Unis peuvent faire ou la nation, je ne sais pas ce qu'il avait dit pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'était un peu ça l'idéologie à un moment, hein, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être qu'on s'est calmé, mais c'est-à-dire la force, le foyer de vie de la société, c'est chacun de nous, hein, c'est la force de l'individu, hein, c'est pas des mécanismes de solidarité, c'est pas des projets collectifs, c'est pas des œuvres communes.
c'est pas des envies, non, c'est la puissance, voilà. Et donc cela est allé jusqu'à un point qui a vu la déréliction du mécanisme de solidarité, mais aussi la précarisation, l'instabilité, la responsabilité dans le management, bon, toute une, et avec l'idée de s'en remettre à soi-même, avec tout ce que ça suppose de responsabilité, de poids, de crainte, parfois de souffrance, hein. Il y a tellement de littérature sur la souffrance au travail, hein. Il y a des milliers de livres, hein, et qui est en arrivé au point où on a vécu une sorte d'état d'atomisation de la société. Moi, je vais plus loin que ça, d'isolement collectif. Et cette histoire-là de désillusion et d'individualisation, singulièrement, ça va de pair, comme si dans les sociétés heureuses, épanouies, bien, de facto, il y avait moins d'individualisation et plus de phénomènes de solidarité et d'œuvres communes, plus de communs, on pourrait dire. Hein. Et je disais, les technologies, le magnétoscope d'individualisation, les chaînes câblées, hein, pour les goûts, tel segment de population. Et hop, milieu des années 90, arrivent deux événements historiques à portée civilisationnelle et on peut le dire anthropologique décisive, qui changent totalement la donne. Deux événements en même temps, c'est le téléphone portable et l'Internet, en gros, milieu des années 95, 17, 98. Et en 2000, tout le monde, en gros, avait... À partir du début des années 2000, tout le monde a un téléphone portable, jusqu'au smartphone à partir de 2007. Et l'Internet, qui a donné quoi ? L'idée de pouvoir toujours plus s'en remettre à soi-même, avoir un accès à une infinité d'informations, à pouvoir jouir de davantage de mobilité par le téléphone portable, hein, de portabilité, de mobilité. Donc, des technologies qui confirmaient cette idéologie de la responsabilisation de soi, de la prise en charge. Mais là, à l'époque, c'était lumineux. Tournant des années 2000, c'était les feux d'artifice des années 2000, vous vous souvenez, la fin de l'histoire, Fukuyama, hein, c'est un nouveau monde, hein, c'est le capitalisme, ça y est, la fin de l'histoire, c'est ce modèle-là social libéral ou libéral qui a gagné, oui, sauf très vite ça a tourné vinaigre, comme on dit en français, très vite ça a mal tourné, et ça a mal tourné, le référendum, la crise financière 2008, les conditions de management, les suicides à France Télécom en 2009, des scandales de suicides, toute cette décennie-là qui a vu la face cruelle du libéralisme dans nos sociétés. Et qu'est-ce qui apparaît, par exemple, au même moment ? Je vous pose une question, au même moment, là, les réseaux sociaux, par exemple, entre autres. Hein. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire, et notamment Twitter, à l'époque, en 140 caractères, des organes, moi, j'appelle pas ça les réseaux sociaux, j'appelle ça des plateformes de l'expressivité de soi. Alors, ce n'est pas rien comme phénomène civilisationnel et social. Quand on donne à tous les individus des pages personnelles, des profils personnels, où, au moment où il y a des rancœurs, au moment où il y a des désillusions, au moment où il y a du ressentiment, des instruments leur donnant l'importance de soi et la possibilité de s'exprimer à toute la face du monde. Ce n'est plus le même monde. Et c'est plus même la représentation de soi dans son rapport aux autres et au rapport à la société. Je ne vais pas être plus long, c'est tout ce que je développe dans le livre, entre autres, hein, les réseaux, mais entre autres, Hanro, vous parlez du selfie. Selfie, qu'est-ce que c'est ? Quand je marchais à Rome, moi, il y a 15 ans, j'avais envie d'une photo. Bon, j'aime pas beaucoup les photos, mais je demandais à quelqu'un. C'est quoi ? C'est rien, c'est un geste de socialité, mais l'autre existe. Alors, quand c'est le selfie, et puis quand c'est les perches, alors encore plus. Là, plus rien n'existe autour. Et les perches, pour moi, perche à selfie, c'est à l'image d'une sorte de mise à distance de l'altérité, hein, de mise au profit d'une sorte de ce que j'ai appelé la primauté de soi. Hein. Mais c'est dû à quantité de facteurs, mais aussi à l'usage des technologies numériques, qui nous donnent une autre position dans le monde, une autre position à l'égard d'autrui, et une autre représentation de nous-mêmes. Je donne un exemple, ce que j'ai dit dans l'introduction, que j'ai relu hier, parce que j'ai oublié totalement le livre. Donc j'ai relu l'intro, et je dis à un moment, non c'était ce matin dans l'avion, mais peu importe, c'est pas intéressant, c'est pas la même représentation de soi et la même rapport au réel que de faire ça sur son smartphone tactile, et puis de voir une voiture arriver nous chercher. On est chacun le roi du monde, enfin c'est pas rien quand même, hein. Aujourd'hui c'est banal, c'est le luxe, chacun a son voiturier de luxe, hein. Et quantité de technologies, les enceintes qui me parlent, Amazon qui me lit, où le monde vient toujours plus vers moi. Hein. Donc cette facilitation de l'existence fait que d'une certaine façon, et puis cette puissance de flatterie, franchement,
franchement, Twitter et Facebook, la puissance de flatterie avec le like, c'est un poison extraordinaire, c'est un poison génial. Vous vous rendez compte, vous exposez, quand vous souffrez dans le travail, quand vous souffrez avec vos enfants, quand vous avez des problèmes d'argent, vous exposez, déjà, vous avez, ça donne un peu de bonheur, un peu de catharsis, et en plus, vous recevez des likes où les gens disent, alors qu'on n'arrête pas de te dire au travail que tu es nul, que tu es malheureux, que tu... on te dit, mais tu es extraordinaire. C'est extra, c'est fabuleux. Le like, c'est un événement. Hein. Ça, bah ouais, c'est pas pour 100 millions d'individus, hein, c'est pour des milliards d'individus. Il y a Facebook, il y en a d'autres aujourd'hui. Vous voyez là, la conjonction historique entre aggravation, tout ce qu'on a dit, hein, sur désillusion, défiance à l'égard de la parole politique, le fait de plus adhérer à un discours commun, un récit commun, repli et investissement sur soi, encouragé, favorisé par des technologies numériques qui nous donnent l'illusion, ce que je dis dans le livre, d'une centralité de soi. Ça, c'est plus le même état de la société. C'est plus le même état de la société et c'est extrêmement périlleux, je terminerai sur ça, dans la mesure où, moi, je ne crois pas qu'on vit un essor du complotisme, fake news, etc. Non, ce n'est pas fake news, c'est, oui, mais il faut aller au-delà des grands... Je pense que c'est autre chose. C'est une atomisation de la vérité. C'est-à-dire que chacun rabat sa, la perception des choses à ses propres souffrances et à ses propres récits qui se constituent. Donc il n'y a plus de récits communs. Il n'y a que des perceptions personnalisées de la réalité, là où c'est dramatique, où c'est périlleux, où on le sent bien, mais dans un déni tendanciel de la position d'autrui, dans un déni tendanciel de normes communes, au profit de ma vérité qui a raison de tout. Ma vérité, moi qui souffre, moi qui ne suis pas d'accord avec toi, moi qui subis telle chose, j'ai des instruments qui me donnent l'occasion de faire valoir par YouTube, par des vidéos, où on a tous les fous qui présentent leur folie là, du matin au soir. Alors ça crée, la folie, elle s'est révélée. Alors des fous qui disent ça, là, là. Mais oui, mais c'est continu. Chacun s'imagine avoir été trompé, lésé par un grand système, hein, un grand système, et peut trouver des dimensions cathartiques ou l'illusion de croire de reprendre son destin en main dans ce que j'appelle, notamment, hein, pas que ça, ça crée des postures aussi, d'autres postures, hein, c'est le corps, mais aussi par la pathologie de l'expressivité. Il y a une pathologie de l'expressivité aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous voyez tout ce bavardage où chacun affirme sa proposition, et comment voulez-vous que ce qui est nommé politique, c'est-à-dire la pluralité, la reconnaissance de la pluralité. Ce que disait Hannah Arendt sur le propre du politique, c'est la pluralité, c'est la contradiction, et puis un moment de s'entendre pour essayer un peu de construire des choses ensemble. On voit bien que ça redéfinit notamment un état de la politique, un état du politique, un état de la société, un état des technologies numériques et un état des psychés humaines. Ça redéfinit totalement, entre autres, ce que nous avons nommé jusqu'à une quinzaine d'années, les conditions d'exercice du politique. De suspendre la discussion maintenant et j'espère bien qu'on pourra continuer. Avec plaisir. En attendant de votre nouveau livre, d'ailleurs, sur Metaverse. Non bon. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci. Grazie, Daniel et Anke. Je pense que ça sera un petit peu compliqué de faire une question. Sinon, on aura l'idée de la nuit dans quelques jours. La nuit des idées, pardon. Dans quelques jours à Rome, à l'ambassade française, qui organise le débat, qui dure 24 heures. Donc, peut-être on peut y aller. Moi, je ne serai pas là. Dans quelques jours. Merci beaucoup. Grazie mille.